Partout dans le monde, le piment est utilisé pour donner du goût à de nombreux plats. Reconnu pour sa saveur piquante, le piment contient aussi beaucoup de vitamines. Le piment est utilisé sous plusieurs formes: frais, pâte moulue, sauce ou poudre. Pour conserver le piment pendant longtemps, les consommateurs préfèrent l'avoir en poudre. La transformation du piment en poudre est une activité rentable qui ne vous prend pas trop de temps. Alice et Bernadette amènent leurs produits au marché de la localité. Détaillants et grossistes viennent d'un peu partout pour s'approvisionner. Je règle les problèmes de mon foyer et l'écolage de mes enfants grâce à cette activité. Grâce à la vente de la poudre de piment, j'arrive à assurer mes besoins. Mon enfant a fini ses études et est professeur aujourd'hui grâce à ça. Après plusieurs années dans l'entrepreneuriat, Aubierge Diosinou a ses clients fidèles, comme des restauratrices, des boutiquiers et des gens qui fréquentent sa petite boutique d'épices à Cotonou, au Bénin. C'est vraiment très important d'avoir un produit qui ne change pas. Un produit qui est toujours de la même qualité, du même goût, de la même couleur et bien présenté, la présentation aussi. On va changer, on va laver. Si vous voulez faire une poudre de piment d'une bonne qualité et consistante, utilisez exclusivement des piments d'une seule variété. Le piment destiné à la transformation en poudre est mieux récolté sans tiges attachées aux fruits. Sinon broyé avec les fruits, ces tiges laisseront des fines particules noires dans la poudre. La qualité de la poudre du piment dépend aussi du soin que vous y mettez. Donc, nettoyez d'abord le piment et triez les piments pourris. Enlevez toutes les tiges restantes sur le fruit. Bien que la plupart des transformatrices achètent des fruits de piment déjà séchés, elles trient, lavent et le sèchent encore avant de le transformer en poudre.